Combien de candidats se présenteront devant les militants socialistes lors des primaires organisées les 10 et 17 octobre prochains? Deux le seront assurément. D'un côté, l'actuelle députée maire sortante, Geneviève Gaillard, élue en 2008 et qui souhaite effectuer un deuxième mandat. Elle devrait annoncer officiellement sa candidature auprès des militants socialistes niortais dans la soirée. De l'autre, Rodolphe Chalet, ancien secrétaire fédéral du PS en Deux-Sèvres, vice-président du Conseil général et proche de Ségolène Royal. Rodolphe Chalet reproche à Geneviève Gaillard son manque de dialogue et sa façon autoritaire de gérer les affaires de la ville. Le duel à gauche s'annonce fratricide. Quelles en seront les conséquences? Il n'est pas sans rappeler un autre duel qui a eu lieu en 1995. C'était entre Bernard Bellec, le maire sortant de Niort, et Ségolène Royal. Bernard Bellec avait été réélu. La droite, qui voit dans cette division une chance de victoire, n'a pas encore désigné son candidat. Il pourrait s'agir de Jérôme Baloge, conseiller municipal UMP.